Vous me faites mourir, n'importe quoi. Vous n'arrivez même pas à me parler en face, vous êtes là en train de chuchoter dans les oreilles, comme des gos. Donc si je comprends bien, vous êtes d'accord pour partager l'échec? Mais oui, c'est mon frère, vous ne comprenez pas tout à l'heure. En fait, moi je pensais que vous vouliez donner les 200 millions à lui. Et lui, il pensait que vous vouliez me donner. Mais c'est 100 millions, 100 millions. Ça va, on est d'accord. Vous aussi, votre coca, on est d'accord. Madame, sortez d'ici. Pas. Vous allez sortir d'ici. Vous pas. Me manquez de respect chez moi et vous dites que vous ne sortez pas. Vous allez sortir d'ici. Je ne sors pas. Je ne vous connais pas et vous me traitez mal poli chez moi. Sortez d'ici. Vous allez sortir d'ici. Vous allez sortir d'ici. Vous ne me traitez pas poli chez moi. Sincèrement à te remercier. 100 millions. Mais tu sais quand même, moi donné, moi j'ai eu peur parce que je pensais que là, c'était perdu. Surtout quand le conseiller s'est levé pour partir. Je me suis dit voilà l'argent qui partait. Mais Dieu merci. Et je tiens sincèrement à te remercier pour tout ce que tu as pu faire. Ta présence. Vraiment. Merci. Tu sais, je vais te filer une confidence. Tout à l'heure, quand on discutait, lorsqu'on était là où on était là, tu étais en train de discuter avec ce monsieur-là, comment il s'appelle? Edouard, toi. Edouard. Alors, tu te rappelles que tu as dû demander mon intervention? Oui, à un moment donné, j'ai senti comme si tu n'étais plus là. Tu étais au téléphone comme ça. J'étais au téléphone. Ah. Tu sais avec qui je discutais? Monsieur le ministre. Le ministre? Lui-même. C'est le ministre que tu avais au téléphone là. J'ai dû moi-même l'appeler pour que lui il intervienne directement. Non, non, c'est faux. C'est parce que tu as appelé que le ministre a appelé là. Sinon de toi, moi, tu penses qu'avec tous les dossiers qu'il a gérés au sein du ministère, tous les problèmes qu'il a gérés,
il fallait qu'il vienne gérer votre problème de 200 millions. Oh, tu es fort. On saute le directeur général, le secrétaire général et tous ceux qui pouvaient venir intervenir dans votre problème. Maintenant, j'ai su que s'il y a des barons dans ce pays, tu en fais partie. Ça, c'est ce qui est de un. Ce qui est de deux, c'est que maintenant tu es millionnaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter et te dire bienvenue au club. Oh, merci. Je dis que là, tout à l'heure, quand on était dans la voiture, là, j'ai envoyé un message à ma femme. Parce que tu sais qu'avec 10 millions, on avait déjà fait le calcul. Avec 100 millions, là, tu sais qu'elle, vraiment, c'est elle qui gère un peu tout, là. Donc là, elle va arriver d'une minute à l'autre, là, pour qu'on essaie de mettre sur pied un autre plan d'investissement. C'est très bien, c'est très bien. Mais je me dois de te prévenir de quelque chose. Tu sais, tu as quand même un chèque de 100 millions. Mm-hmm. C'est 100 millions. Ouais. D'accord? On ne parle pas de 10 millions, de 10 000, de 100 000. On parle quand même de 100 millions. Et tu conviens avec moi que la banque ne va pas te les filer demain matin comme ça pour tes beaux yeux. Mais c'est mon argent, non? Oui, bien sûr. C'est ton argent. Mais il va falloir que tu le démontres. Il va falloir que la banque mène des investigations pour vérifier de ce que l'argent est véritablement à toi. Et tu peux me croire, ayant l'expérience de ce genre de choses, tu en as pour minimum un mois. Un mois. Et même mieux d'ailleurs, pendant que j'y pense. La banque, dans le cadre de ses investigations, peut remonter jusqu'au ministère. Toi et moi connaissons les lenteurs administratives dans notre pays. D'accord? Donc en réalité, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vas pouvoir entrer en possession de tes sous dans un futur proche de quoi? De moi. Mais attends, il n'y a pas de tenue, un raccourci pour que je puisse rapidement avoir mes 100 millions. Tu l'as dit. Je vais t'aider. Tu sais, tu es mon cousin et je t'aime. Tout compte fait, je réalise que je t'aime. Et je vais donc faire une action supplémentaire en ta faveur. Ce qu'on va faire, c'est que 200 millions pour ton chèque. Sois tranquille. Tu vas me donner ton chèque de 100 millions. Et moi, demain matin, je vais appeler mon gestionnaire. Dès 7h30, je pense qu'il peut te le mettre à disposition. Vraiment, tu es sûr que si je te donne le chèque, vraiment, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Tu sais, je le fais pour toi. Hein. Sinon, oui. Tu peux toujours attendre les gens. Non. Je veux juste m'assurer que si je te donne le chèque, demain, j'aurai les 100 millions. Demain, Daniel te les donne. Sans problème. Donc, file-moi. Cous, vraiment, c'est toute ma vie que je te donne là. N'ai crainte. Donc, je fais ça comme ça. Demain matin, tu te pointes à la banque, tu vois avec lui, mon gestionnaire, et il te remet les 100 millions. D'accord? Dès 7h, je serai déjà là. Ouais, à 7h, il n'y a pas de souci. Bon, merci encore du service que tu me rends. Oh, tiens, chérie, oui? Comment tu vas? Ça va très bien. Oh, ma belle soeur, ben, moi je suis déjà en train de partir. Hein? Comment ça? Oui, les affaires, je file. C'est pour la première fois que tu arrives chez moi. Non, on aura le temps. On aura le temps. Bon, okay. Cousin, d'accord. Écoute, on se voit. N'oublie pas, donne la tête. Okay. Y'a Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. Maintenant que l'affaire de l'argent là, c'est déjà bien clair. Quand tu vas aller demain au banquier, toucher l'argent, on va faire comment? On va faire comment? Non mais Abou, moi je ne comprends pas. Donc, c'est aujourd'hui que tu me poses encore ce genre de questions. Tu ne te rappelles pas le jour où je t'ai fait asseoir, ta sœur et toi, hein? À la maison là-bas, pour vous apprendre à parler l'anglais. Hein? Mais c'est parce que j'avais déjà la vision de ce projet-là. Qu'une fois, on était en possession d'argent. On faisait des affaires. Et tu es sans ignorer que
L'anglais, c'est la langue des affaires. En tout cas, moi j'ai décidé. J'ai décidé. Demain, je pars à la banque. Je récupère l'argent. Je donne ta part. Je donne la part de ta sœur. Je prends pour moi. Hein? Chacun va se gérer de son côté. La preuve en est, ta sœur n'est pas là. Elle est déjà allée prendre les prix des véhicules. Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? C'est parce qu'elle-même, elle a constaté que mais elle est capable de faire les affaires toute seule. Hein? Tu vois? Donc, ça veut dire que toi aussi, de ton côté, tu dois faire la même chose. Tiens. Ah bon? Oui. Tu vois, comme je... Vraiment, quand j'ai consulté ma haute réflexion... Comme Bananza là, son bon... Va monter à leur bord là. S'il ne paye plus ça. Et tu feras quoi? Je vais faire une grande plantation de cacao avec le café à l'Ebamba. Ah ben oui, et puis parce que là-bas j'ai un grand forêt. Hein? Que, qui a été laissé par nos ancestrales. Tu vois? C'est ce que je vais faire parce que c'est pas n'importe qui travaille à Libreville. Si on met tous les moyens ici là, le village sera vide. Tout le monde ne peut pas venir à Libreville. Donc quand je fais les grandes plantations de cacao avec le café, sur place c'est le village à l'Ebamba. Les jeunes de l'Ebamba aussi, ils vont travailler. Mm-hmm. Eux aussi, ils vont trouver le travail. La terre là, c'est bien. Mais c'est pas bon, c'est en fait. Le grand-père de mon père, il a vu beaucoup de femmes, les moutons, les plantations pleines. Donc c'est ce que je vais faire aussi. En tout cas, c'est pas mal comme idée. C'est bien. Mm-hmm. Mais donc, si je comprends, ça veut dire que tu vas faire le genre de plantation industrielle. Oui, voilà, industriel. Ah, okay. Mais industriel, la limite, c'est qui? Hein? C'est qui industriel? Non, industriel ou quoi? Donc, toi, tu le vois, vas-y, frère, mon beau frère. En fait, industriel, ça veut dire, quand tu veux faire une plantation, c'est-à-dire de cacao, café, hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ça veut dire que tu dois être entouré des spécialistes, hein, qui sont dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui sont dans le domaine café, cacao. Donc, ces spécialistes-là, c'est eux qui s'en occupent. Ah, tu donc comprends les travailleurs, là. Voilà, justement. Ah. Maintenant, exactement. Les spécialistes-là, là, on les... Où, Babax, on les trouve où? Mais, Abou... C'est qui travaille ça, là? Non. Non. Il ne faut pas mélanger les pédales. Tu comprends? Moi, je ne suis pas ton conseiller en affaires. Ou, moi, je ne suis pas aussi ton associé. Mais si, toi, vous ne sommes pas associés. Mais si, c'est vrai. Parce que tu me poses des questions. Tu sais pas que aux États-Unis, en France, le renseignement, ça se paye? Mais oui, ça se paye. Si, ça se paye. Mais bon, sauf que, bon, en tant que mon beau-frère, tu vas à la Questab. Questab, c'est où c'est? C'est pas Questab, c'est la Questab. La Questab. Mais attends, tu connais déjà Libreville? Tu prends un taxi, tu demandes la Questab, tu vas arriver à la Questab et c'est là-bas où tu trouveras les spécialistes. Parce que tu sais que Libreville c'est grand beau. Attends, c'est maintenant comme ça. Mais non, mais tu vas te débrouiller. Moi, je suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Tu fais tes affaires seul. Oui. C'est qui? Constable. C'est pour les affiches là. Oui. Bon, au fait, dites-moi, vous avez vos diplômes là? Je les ai sur moi. Ok, entrez. Oh, pareil. Attends. Hein? Faut pas faire des trucs comme ça. Hein? Non. Ça, c'est quoi? Moi, le Molim. C'est toi qui fais ça? Oh là 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 là. Mais j'arrive, je trouve des affiches dehors, c'est comme c'était même. Ça donne l'impression que c'est une société. Bonjour, tonton. Je m'en fous, je suis assis avec ton oncle et puis. Hein, on attend les gens pour l'entretien. Bon, prends place. Même moi-même, ton l'homonyme, je fais l'affaire. Mais ça se voit avec toutes tes affiches, hein? Ah oui? Moi, l'homonyme, elle est tendue vraiment. C'est bien. Bon. Si je te fais appel. C'est parce que, d'abord, le 1, c'est pour ton voyage. Mon voyage? Quoi? Tu veux dire que tu ne connais pas? Mais quel voyage tu parles? Quoi? Ah bon? Mais tu dois laisser les blancs. Oh. Bam, prends le papier des blancs. Donc, ton Pendi, cette histoire ne va jamais finir. Mais quelle finir? Quelle finir? Tu sais que tu dois voyager. Tu vas chez les blancs. L'histoire du voyage, moi j'ai bien dit que je ne voulais pas partir. Mais tu dois aller poursuivre tes études. Hein? Donc tu préfères, n'est-ce pas, te balader comme ça dans la ville? Tu sais que tu dois aller poursuivre tes études aux États-Unis, mais Farrell. Mais arrête de me poser des questions stupides. Hein? Mais tu dois voyager.
Bon, et le deuxième point, c'est que il y a Desita qui est là. Hein? Faudrait qu'on fasse déjà la réunion par rapport à votre mariage. Hein? Bon, à propos de temps du voyage, tu as déjà monté le dossier? Tu parles de quel dossier, papa? Est-ce qu'il était dit que je devais monter un dossier? Mais tu te fous de moi ou bien quoi? Faut pas m'énerver. Ne m'énerve pas. Mais c'est toi qui parles de me faire partir. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais monter le dossier. Je sais qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire pour que le dossier soit. Et c'est moi qui dois monter ton dossier. Toi qui voyages. Et je ne sais pas comment ça se passe. Attends, mais depuis même que tu es sorti de cette maison, tu es où? Tu vis où? Dehors. Comme un oiseau. Tonton Pendy, est-ce que c'est une raison aussi pour prendre les décisions à ma place? Donc moi, attends, c'est ma vie, on n'a même pas le droit de m'informer. D'abord, on prend directement les décisions. Ah. Comme si j'étais un sac qu'on devait déplacer quand on voulait. Là, chez nous, quand quelqu'un n'est pas dans la corde de garde, il ne comprend rien. Bon, à partir de maintenant, là où tu es arrivé là, je ne vais pas te chercher des yeux. Ça veut dire que tu ne repars plus. Toi et moi, on doit monter ce dossier jusqu'à ce que tu voyages. D'abord, il y a le mariage. Tu finis de faire ton mariage. On finalise le dossier de ton voyage. Une semaine après, tu voyages. Tu dois plus être là. Même s'il faut t'attacher, on va t'attacher pour voyager. Je suis un millionnaire, moi. Hein? Je suis riche. Il faut que tu vas prendre les papiers des blancs. Hein? Et quand il va prendre les papiers là, ça va te l'aider dans l'affaire là. Mais est-ce qu'il comprend ça? Voilà. Mais maintenant, si je n'ai pas envie de partir, ton pendy. Hein? Tu vas partir. Tu vas partir. Tu fais ça qui? Tu veux que je te passe un autre? Ah bon, monsieur. Il faut m'attraper, hein? Non, ah bon, il ne faut pas. Niaboum. Quoi? Quand j'avais ton âge, est-ce que mon père m'avait même proposé, même un jour, d'aller même à Bitam? Non? Tu fais la bouche même là avec qui? Tu vas voyager. Hein? Va là-bas, va là-bas. En plus, n'hésite pas là-bas. Et qui? Vénusia aussi. Bon, si moi je vous ai déjà demandé que tout le monde soit réuni, c'est parce qu'il faudrait qu'on prenne un pot pour partir d'ici. Hein? Voilà pourquoi est-ce que tu as vu les affiches là et tout, parce que là où on s'en va là, c'est autre chose, c'est le standing. Va là-bas. Ça, c'est pas... Regarde-moi ça. Ah, je vais vous les enfants là. Tu as vu? Oui. Hein? Après, quand on va dire, oh, voilà l'enfant, machin, tu dis non, moi c'est pas mon enfant. Oh, je n'avais pas les moyens, papa n'avait rien fait. C'est toujours comme ça les réseaux. Ah! Aux États-Unis? Comme bah, nous autres là vraiment. Non. Oh! Oui, c'est vrai. Tu existes vraiment. C'est vrai que ça fait un bon bail que je suis plus parti avec lui. Mais avec ce qui vient d'arriver dans ma vie, tu viens de confirmer que tu existes. Oh là là. C'est vrai, mais c'était des soucis. Mais avec ces 100 millions, tu viens de changer ma vie. Ça, c'est. Ah, oh, chérie, tu penses à quoi? Laisse, je pense au bonheur qui nous arrive. Ah, ok. Tu sais, je me souviens, il y a de cela quelques années, quand on avait notre bonne situation, puis arrive l'incendie de notre maison. Et là, tout le monde nous a rejetés. Oh. On était devenus comme des sans-abri. Et c'est Edouard qui, parce qu'il nous donnait une petite parcelle de chelou, qui se prenait pour Dieu sur terre. Un vrai escroc, cet Edouard-là. Et puis Dieu nous fait grâce de pouvoir avoir 100 millions. Ah, Seigneur, 100 millions. Oh. Je sens comment la vie a changé. J'ai 100 millions. Oh, stop. Pas j'ai 100 millions. Nous avons 100 millions. Okay? Oui, tu sais, ce qui est à moi est à toi. Ah. Alors, justement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut en faire? Bon, d'abord, on va... Pensez au salon de coiffure, à mon salon de coiffure, parce que j'y tiens vraiment à mon salon de coiffure. Salon de coiffure. Ah. Et puis toi, de ton côté, hein, tu achètes au moins 2 ou 3 terrains, hein, de sorte d'essayer de construire 2 ou 3 maisons, tu les mets en location, et par la suite, ça nous fera un peu d'argent de poche. Ouais, je pense qu'on peut construire une cité, oui, avec, voilà, avec 100 millions, voilà. Mais je pense qu'il faut que je garde de côté un peu d'argent pour ma mère, parce que cette dame-là, Marie-Louise Thomas, si je suis ce que je suis, c'est à cause d'elle. Elle non, a non. souffert pour moi. Attends, il faut que je lui garde un peu de quelque chose. Attends. Pourquoi? Attends. Quand j'étais en train de souffrir avec toi là, partout debout là,
l'incendie, tout ça, les consorts. Hein? Ils étaient où tes parents là? Attends, et même ton cousin que j'ai vu tout à l'heure là. Depuis que je suis dans cette maison là, est-ce qu'un seul jour les mêmes venus me rendre visite? Jamais. Donc c'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'argent que tu vas maintenant parler de ta famille? Stop. Stop quoi? Pas mon là, cousin. Là, je ne suis pas d'accord. Pas mon je cousin. Je ne suis pas d'accord. L'argent qu'on a là, l'argent que tu parles là, oui, si ce n'était pas lui, on n'aurait pas eu ça. Comment ça? Je t'ai dit que tout à l'heure là avec Edouard, oui. Tant que tu connais Edouard, oui. C'était chaud. Lui tirait d'un côté, il voulait les 200 millions. Moi d'un côté. Et tu sais ce qui s'est passé? Non. Le conseiller juridique, sur instruction du ministre, a décidé bon, que, comme on ne s'entendait pas, oui. Qu'il devait repartir avec les 200 millions. Et que d'ailleurs la terre appartient à l'État. Que l'État devait reprendre sa terre. Si ce n'était pas mon frère qui a appelé expressement le ministre quoi? Pour qu'il puisse intervenir en notre faveur. Attends, tu dis quoi, il a appelé qui? Le ministre. Et puis c'est pas fini, hein. Je te dis que non, mon cousin là, faut me parler de toutes les autres personnes, pas lui. Parle. Mais, oh, chérie, si on s'est porté demain à la banque, si je partais avec les 100 millions, moi, on n'est pas mes amis maintenant. Je devais attendre au moins un ou deux mois le temps qu'il fasse des investigations, qu'il s'assure que c'est mon argent, d'où provient l'argent et tout, tout. Donc il m'a demandé de lui remettre le chèque et comme ça demain il va demander à son gestionnaire de me remettre 100 millions. Quoi? Attends, tu as remis à ton cousin le chèque? Mais il m'a demandé de lui remettre le chèque. Remettre quel chèque? Mais le chèque de 100 millions. Attends, dis-moi un peu. Donc toi, tu as pris le chèque et remettre à ton cousin. Mais chérie, je t'ai dit que si moi-même je me présentais, je ne pouvais pas avoir l'argent maintenant. Parce que c'est compliqué. Ça devait me prendre au moins deux mois le temps de faire des investigations, savoir la source où provient. N'importe quoi, n'importe quoi. Toi, tu crois que tu as besoin de lui pour aller toucher tes 100 millions? Franchement, tu as ton chèque. Tu vas à la banque demain matin, muni de ta pièce d'identité. Pourquoi tu remets le chèque à ton cousin? Mais chérie, je t'ai dit, il nous aide. Il nous aide parce que si j'ai pas moi-même, je n'aurai pas cet argent maintenant. Attends. Comment toi tu peux te laisser embobiner comme ça là? Embobiner comment? Embobiner comme un petit garçon comme ça là. Donc tu penses que mon cousin veut me stocker? Mais est-ce que donc, tu connais les biens qu'il a? Est-ce que tu connais ce qu'il a comme bien financier, comme immobilisation? Et alors? Tu connais son portefeuille financier? Et alors? Tu sais combien il a dans son compte? Franchement. Tu sais les affaires qu'il a? Et alors? Tu connais son portefeuille financier. Et alors? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? C'est pas la maman qui a chanté là? Elle a bien chanté que non, on vous connaît les escrocs. C'est ce genre là. Donc toi, mon frère c'est un escroc. Lui qui nous aide, il vient nous sortir de notre misère, de notre galère. Donc n'importe tu arrêtes. Quoi. N'importe quoi. Je vais arrêter comment? Je vais arrêter quoi? Toi tu trouves ça normal? Hein? Un grand garçon comme toi, comme ça, tu vas venir te laisser embobiner par ton cousin. Ton cousin déjà assez fait comme tu l'as si bien dit là-bas au charbonnage. Maintenant, qu'est-ce qu'il a encore à y voir là? Comment tu peux te laisser escroquer comme ça? Bon, ok, c'est bon. Demain matin, on ira ensemble, on va le prendre chez lui et on va l'ensemble à BGP. Attends, quel demain matin? Tu pars maintenant. Maintenant, je t'ai dit, maintenant. Mais chérie, les banques sont fermées. Même si les banques sont fermées. Donc, entre maintenant là et demain, il ne peut pas faire une transaction. Je t'ai dit que tu pars maintenant. Bon, si tu veux, sinon, on va aller à 4 heures. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Oh. Ne me cherche pas. Sinon, aujourd'hui là. Attends, ce sont des 100 millions. Hé, hey, attends. Tu crois que j'ai souffert avec toi, cadeau? Tu as vu, non? Tu as vu? L'être humain. Ok. C'est bon, je te dis, c'est bon. Jamais, il n'y a pas de c'est bon. Je te dis qu'aujourd'hui là, toi et moi, soit tu vas choisir entre ton cousin et moi, ok? Tu pars maintenant. Il n'y a pas les demain là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il n'y a pas les demain là. Maintenant. Voisin, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas, tu m'as jamais vu comme ça, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Je te dis c'est maintenant là. Sinon, tu vas me tromper. Finalement ma chérie, tu reviens à la maison? Hey, non, je peux pas revenir ici. Mais comment ça, tu vas aller où alors? L'enfer. Si je reviens ici, je ne sais même pas. Je vais chez Durand. Chez Durand? Ouais. Tu vas faire quoi là-bas? Qu'est-ce que je faisais chez le docteur? Je retourne chez Durand, je vais vivre avec lui, je retourne vivre avec Durand. Est-ce que vous en avez déjà discuté d'abord? Non, on n'a pas eu l'occasion. Comment ça vous n'avez pas eu l'occasion? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un grand show là-bas, je t'assure. Qu'est-ce qui s'est passé?
À peine j'arrive chez lui, je trouve ça, c'est sa patronne. Je ne sais même pas comment il faut appeler ça là-bas. Une patronne qui va chez son employé, comme ça, à la maison, grand pied sur petit pied. Dans notre salon, non. En train de prendre un jus. Et le voilà, lui qui était dans la chambre. Je suppose qu'elle l'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? La patronne. Tu as déjà vu une patronne qui va chez l'employé? Attends, jamais, ça pour travailler. Quand tu vois quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui se cache. Yes. On connaît tout ça. Nous tous on connaît. On les connaît même, si tu veux encore. Elle était là, grand pied sur petit pied. Je lui demande qui elle est, je lui demande de se présenter. Elle ne se présente pas. Hein? Non. Je t'assure que si. Attends, tel que je te connais, tu as réagi comment? Il a failli avoir un show là-bas. Je t'assure s'il n'était pas venu m'attraper à temps. Non. Ça devait chauffer. Ça devait chauffer. Je t'ai dit. Il la laisse, elle, pour venir m'attraper moi. Attends, c'est elle qui me traite de mal poli. Vraiment, dans ta maison. Dans ma maison, mal poli. T'assure, il fallait être là. Mais vous êtes mal poli, hein, madame. Une idiote comme ça. Parce que les vraies patronnes ne vont pas chez les employés. Ah, ça, c'est vrai. Je l'ai foutu dehors. Et puis ça s'est arrangé. C'est là où papa m'a appelé. Si c'était pas ça, on devait bien causer. Donc, on n'a pas eu le temps. Vraiment. Et vous là-bas? Et nous là-bas, quoi? Vous. Quoi? Mais sinon! Quoi? Et vous, pareil. Non, quoi? Mais ça va. Mariachi. Ça va, ça se passe bien quand même. Je suis contente pour vous. Oh, ouais. Ma chérie, je te jure, j'ai tellement souffert. T'as trop souffert, tu m'as dit ça. Vraiment. Ouais. Mec. Quoi? Mais faut quand tu as là, tu as allongé, tu as allongé chez toi. Tu n'es pas un peu merci à lui. Oh, ma chérie. Connaissant ta mère. Voilà. Connaissant ta mère. Vraiment. Beaucoup de merci. Je suis contente pour vous. Voilà. Je vous envie. Je vous envie beaucoup. Et je veux aussi que ça se passe comme ça chez moi. Non, mais ça. Mais tu sais, avec l'histoire de Durand là, s'il n'était pas aussi orgueilleux comme il est, ça devait quand même aller. Mais lui, il n'aime jamais se plier. Le truc, c'est quoi? Il faut discuter avec ton gars. Parler tranquillement. Tu lui expliques à lui de se plier parce qu'il vient voir la belle famille. Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé Attends, de ça? Regarde comment on l'a humilié. Désita, tu as le cœur. Oh, ma chérie. Tu as le cœur, mais lui, il n'est pas comme toi. Je sais pas, il ne veut pas se plier. Il est trop orgueilleux. S'il pouvait un peu diminuer ça, juste un peu, ça devait m'arranger. Non, ça devait nous arranger. Ça va il aller. Le sait, mais bon, je sais pas, il est comme ça. Wow. J'espère bien, parce que avec tout le temps là, le bébé que j'ai, s'il ne m'accorde pas ça, je vais craquer. Non, ça va aller, ma chérie. Enfin, on a toutes les bébés. Mais pour vous, c'est déjà arrangé. Pour moi, c'est pas arrangé encore. Et je vais pleurer non, si ça s'arrange. Mais dis, je serai votre témoin. Je serai témoin. Ton gars et toi, si vous me zappez, je vous dis. Non, on va pas te zapper. On va mais j'espère quand même que ce sera bon pour moi. Non, mais attends, comme je te disais tout à l'heure, il suffit d'y croire. Attends, tu sais comment est ta mère? Est-ce que tu penses, franchement, connaissant ta mère, est-ce que tu penses qu'elle pouvait accepter un jour que je vive avec ton frère? J'ai vu que c'est un miracle. Mais justement, s'il y a eu un, il peut y avoir un deuxième miracle, il suffit d'y croire. Vous avez déjà enfin, eux, ils ont déjà l'argent. Elle va plus t'embêter pour autant. Ils ont déjà l'argent. Ah, et puis, il faut parler avec elle. Il faut surtout parler aussi avec ton père. Mais on va pas attends, franchement, tu seras là dans les préparatifs. On va te zapper. Ouais. Je préfère. Je ne serai pas là pour préparer, je serai seulement là. Oh, votre la témoin. Fille là. Tu vas m'aider dans ce. Hein? Ça m'arrange. De toute façon, on sera ensemble. Ouais, toujours. Mm-hmm. Si vous me zappez, je vous tue. Pas de zapper. Je vous tue. Et mon frère et toi, et je vous tue bien. Non, pas de zapper. Tu es contente? Oh, je danse. Oui, qui cogne? On est en pleine action. Vous nous dérangez. Petit combo ça entre filles. Salut. Oh, on parle du loup, on voit ça que le cas de l'autre. Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Lève-toi, non, va d'abord, va discuter pas avec le pas même le serrer, parce que c'est ce que tu sais que tu veux. Tu veux le serrer déjà là. Va. Je vous gêne, hein. Non, mais va. Je ne quitte même plus. Non, va d'abord. Ça, c'est quoi? Va. Oh. Va d'abord régler ses problèmes. Regarde comme il est beau. Va régler ses problèmes. Le beau gosse. Oh, laisse-moi un peu, c'est comment? Touche chez toi, quand tu es comme ça, comment? Le beau gosse. Oh, laisse-moi, c'est quoi? On passait vous d'abord devant moi. Non. Oh, vas-y, on a pas. Excusez-moi. Tu me fais pas un câlin? Non, je veux pas. Je veux même pas droit un câlin. Tu parles de quoi, toi? Oh, non, ne me touche pas, c'est comme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu me ressens. Non, ne m'embête pas, s'il te plaît, ne me parle pas de câlin. Toi, tu te comportes comme mon frère. Toi, tu déconnes. Hein? Tu ne m'appelles pas, tu cherches pas à me voir. Non, c'est pas ton problème. Parce que je viens comme ça chez tes parents, c'est ton père qui m'appelle. Tu viens sauter sur moi comme quoi tu veux un bisou. Tu arrêtes. C'est quoi? Attends, tu penses que je t'aurais abandonné comme ça? S'il te plaît, ne commence pas. Tu m'as trouvé, j'étais en train de parler avec ta soeur, j'étais de bonne humeur. Là, tu viens me mettre de très mauvaise humeur, s'il te plaît. Même un coup de fil, un simple message,
C'est quoi, le message c'est combien? Non, mais même mes appels téléphoniques. Non, s'il te plaît, arrête ça. Je vois pas ce que tu vas me dire là maintenant pour me convaincre. Ne m'embête pas. Trésor, c'est vrai que tu as raison. Mais... Mais quoi? Essaie de m'écouter, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est indépendant de ma volonté. Mais j'ai dû partir de la maison, j'ai eu un problème ici, c'est vrai. Mes parents m'ont mis dans un problème. Quel problème? Mais attends, y a Linda qui a débarqué ici un jour, et puis est venue donner des sous à mes parents, soi-disant que c'était pour m'aider, sans que moi je ne sache. Je suis arrivé, j'ai trouvé les parents, ils avaient déjà pris l'argent, ils ont fait des dépenses et tout ça. Et finalement, moi j'ai pas accepté. Tu sais ce qui m'amuse avec toi? Parce que toi tu ne sais jamais rien. Tes parents prennent des décisions, toi tu es toujours assis, on te soulève d'un point A, on t'amène à un autre point. Toi tu ne fais jamais rien, toujours tes parents, ou bien Linda, ou encore je ne sais trop qui. Mais attends, Désita, il fallait que je fasse quelque chose pour éviter qu'il ne fasse la prison. Comment ça la prison? Mais elle a menacé de le faire enfermer parce qu'ils n'ont pas pu rembourser les sous. Attends, je suis le problème, il fallait bien aussi que je sois la solution, Désita. Donc j'ai été contraint d'aller là-bas, essayer de calmer Linda. Et tu n'étais pas heureux de vivre avec elle? Non, pas du tout. Durant tout ce temps-là même, j'ai pensé à toi. Oh non, non, pardon. Arrête, me raconte amour, pas des conneries. Amour, non, rassure-toi, rien ne s'est passé. Oh, ne me prends pas en plus pour une mais idiote. Mais je dormais dans une en chambre plus, ne me prends tout pas pour seul. Mais je te jure, c'est vrai, Trésor, tu sais que je n'aime non, que toi. Non, s'il te plaît, ne m'embête pas, pardon. J'aime pas ça du tout, arrête. Tu sais que tu as ma raison de vivre. Non, arrête, tu te comportes pas comme tel. Tu comprends pas comme mon fiancé, tu déconnes. Tu m'appelles pas, tu ne cherches pas à me voir, non. Attends, mais même mon téléphone, je ne l'avais pas. Je n'avais même pas le droit de mettre un seul coup de fil. C'est bien. Attends, tu penses que si réellement je t'aimais pas, on devait être là? Ah, moi je ne sais pas. De toute façon, c'est ta mère qui m'a appelé la dernière fois pour me parler du mariage. Je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de ça avec la mienne. Mais nous qui sommes concernés, on ne se voit pas pour en parler. C'est quand même anormal. Bon, maintenant nous sommes là, on va le faire. D'accord? Tu ne t'impliques mais pas. Mais je t'ai expliqué entre temps ce qui s'est passé, chérie. C'est bon, j'ai compris, c'est bon. Maintenant, finalement, comment ça s'est passé? Vous avez déjà. À quel point? Vous êtes à quel niveau là avec maman? Attends, tu te déconnes? C'est notre Raison. Mariage. On doit parler de ça tous les deux. Comment ça va se passer? Il faut qu'on en parle. Bon, d'accord, on va déjà commencer par arrêter une date. Et tu as sûrement des personnes que. Tu as envie d'inviter? Bien sûr. Donc tu feras ta liste et moi la mienne et puis on se mettra ensemble pour voir ça tous les deux. Ok. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Les deux, de toute façon, on sera tous réunis là comme on a un repas familial là. Et ta, je sais pas, t'as dit non? Oui, comme je te disais, ta soeur m'a dit ça aussi, ton père aussi, donc je suis contente pour vous. Vous avez maintenant les puits de pétrole, vous êtes riche là. Ouais, c'est ça. La richesse là, nous... Vous non, vous ça, quoi? Attends. Ta soeur et toi, vous quoi? C'est votre richesse aussi? C'est chez vous, on a trouvé. Jamais, nous on trouve la paix. Là, nous sommes en paix. Ah, mais je suis contente. Ils vont, pour un fin de temps, soit plus, ils vont s'occuper de leur argent. Vraiment. Et puis laisser un peu notre vie privée. Vraiment. Et comment il va, ton petit gros ventre? Comment on va l'appeler, même? Ça, je sais pas, on va trouver un On vous connaît, les menteurs, les bombosseurs, les voleurs, à nous vendre, les bandits, les assassins. Qui est mon père et en déplacement. Et pour très longtemps, sa femme, qui est ma mère et en déplacement, elle est allée me représenter à un deuil. J'ai perdu mon beau-père. Étant donné que j'ai un nouveau-né, je ne pouvais pas y aller. Mais c'est depuis la France que l'on m'annonce qu'ici, ça ne va pas. Alors mon père me demande
de venir voir ce qui ne va pas. De venir vous entendre et après prendre une décision. Mais soyez-en sûrs, hein, c'est une décision ferme. Messieurs, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente de vous. Mon père n'est pas là et vous vous comportez comme ça. Alors, je vais vous entendre et je vais commencer par le docteur Claude. Docteur Claude. Bien, merci madame. Je ne vais pas être long, hein. Je pense que je suis dans cette clinique depuis fort longtemps. Et je m'y connais, je suis un très bon médecin. Lorsque ce monsieur a eu l'attaque chez lui, j'étais de permanence et je n'avais aucune consultation. J'ai reçu le docteur Jean-Jacques avec peine. Franchement, madame, ce monsieur est désagréable. De toute ma carrière, j'ai reçu des patients qui ont coopéré. Mais cet individu, non, non, non. En tant que médecin, j'avais l'obligation de m'imposer afin que les choses marchent. Je suis allé faire l'échocardiogramme. J'ai constaté que ce monsieur a une augmentation de cœur. Son cœur a plus de volume. Mais ce monsieur peut mourir entre nos mains. Et si je laissais partir ce monsieur parce qu'il me disait « Je suis médecin, je suis votre chef hiérarchique », la clinique devait dédommager sa famille. Parce que n'importe quoi. Il peut mourir à tout moment. Hein. Je vous le dis, il peut mourir à tout moment. Voilà pourquoi vous avez entendu que le docteur Jean-Jacques et moi, nous nous sommes battus. Il faut préciser que vous m'avez mordu. Il faut le dire à madame. Monsieur, je n'ai pas besoin de vous mordre. Moi, je vous frappe. Allez, c'est docteur tout. Jean, s'il vous plaît. Le docteur Fleur pourra en témoigner. Non, monsieur. Mais docteur Jean, mais votre tour arrive. Oui, mais il m'a mordu. Il ne veut pas vous le dire. J'ai dit, je vous frappe, aller et retour. Docteur Claude, terminé. Madame, si on ne fait pas attention, il est sérieusement malade, hein? Nous allons porter ce monsieur et jusqu'à ce que nous allons le perdre. Son cœur a vraiment pris du volume. Et là, il faudrait qu'on lui donne une retraite anticipée. Je finis. La parole au docteur Jean. Merci madame de m'avoir passé la parole. Je tiens déjà à vous dire que je suis très ravi de votre présence ici. Parce que sincèrement, de tout le personnel que compose la clinique, ce monsieur me cause beaucoup de problèmes. Mais ça, je vous assure que ce monsieur me cause beaucoup de problèmes. Il brille par une discipline caractérisée notoire. Docteur Claude. Je vous prends un cas simple. Les horaires de travail ici sont connus de tous. 7 heures, pile. Je suis à mon balcon, le monsieur vient avec son Walkman aux oreilles, avec elle, à 7h03, 7h04, 7h06, ce monsieur. Alors, vous rendez-vous un peu de comportement pareil? Des gens comme ça ici, on ne peut pas avancer. Alors, pour en venir au fait, ce monsieur, pour mon hospital, c'était un scandale. Un stéthoscope pour le poser sur la poitrine des malades, des patients. On donne des coups. J'ai pris les coups de ce monsieur-là. Ça, c'est pour m'examiner seulement. Alors, le monsieur ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il me demande à moi, qui suis son supérieur hiérarchique, de descendre mon pantalon parce qu'il veut me prendre la température. Je dis, mais attendez, franchement. Je lui posais la question de savoir s'il se croyait en pédiatrie. Bon, moi, je dis, ça tombe bien que vous soyez là. Vous avez dit que vous allez prendre une décision. Prenez une décision. Je dis, ce genre d'individu
ici. Alors là, permettez-moi, mais ça n'en vaut la peine. Monsieur, je vous ai écouté. Alors là, je suis très déçue. Je suis très déçue. Pour des grands médecins comme vous, vous vous comportez comme ça? Mais moi, je m'attendais à un grand problème. C'est des histoires des enfants. Des enfants qui discutent un ballon. Je ne veux pas de ça ici. C'est la clinique Biyogé. C'est pas les cliniques du quartier, hein? Où vous allez venir vous comporter comme les petits gars du quartier. Mais si vous vous comportez comme ça, le reste des personnages, comment ils vont se comporter? Et les patients? Mais monsieur, respectez-vous quand même. Non, respectez-vous. Docteur Claude, docteur Jean, docteur Flore, le docteur en chef, c'est qui ici? C'est moi. C'est vous. C'est moi qui dirige. Mais à partir de maintenant, je vous retire ce poste, ce chapeau voilà. De médecin en chef.